Les infos au diapason du mois de mars sélectionnent et présentent les événements à la jonction avec le mois d'avril. Ce que je présente n'est ni positif ni négatif. Ce sont les événements comme ils se présentent ou se déroulent, perçus d'un point de vue extraterrestre. Il est de ma responsabilité de vous présenter les informations, quelle que soit leur nature. Si vous estimez que cela ne vous convient pas, au lieu d'agresser verbalement l'animatrice, choisissez des chaînes qui sont plus à votre convenance. Dans tous les cas, soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Les changements géomagnétiques sont plus importants et plus dangereux que la pandémie de COVID-19, et c'est peu dire. Les tremblements de terre, les tempêtes, les tornades, les incendies, les inondations et les volcans et tremblements de terre font rage partout autour de la planète. Ces énormes changements climatiques sont à la fois naturels et activés artificiellement grâce aux stations HARP qui sont disséminées tout autour de la Terre. Le système HARP, en anglais, High Frequency Active Auroral Research Program, en français, Programme de recherche sur la ionosphère et la propagation des hautes fréquences radio, qui sont mesurés notamment lors d'orages magnétiques et concernent l'étude des électrogènes, des courants électriques naturels qui existent dans les régions polaires et équatoriales. Les événements climatiques s'intensifient et deviendront de plus en plus extrêmes. Ils sont tous programmés et planifiés en suivant une certaine chronologie, chronologie à la fois naturelle et chronologie artificielle. Thank you.
Les deux chronologies sont intimement liées. Lorsque la chronologie naturelle agit, elle impacte la chronologie artificielle. Et l'inverse est aussi vrai. Lorsque la chronologie artificielle est mise en action, elle impacte la chronologie naturelle. Voyons comment cela fonctionne. Voici une carte des stations ARP disséminées à travers le monde. Et la manière dont elles sont distribuées et reliées. Et voici une carte des lignes énergétiques de la planète Terre couplées au chakra de la Terre et à ceux du corps humain. Lorsque l'on superpose les deux cartes, la carte naturelle et la carte artificielle, vous voyez que les stations ARP ont été placées à des endroits soigneusement sélectionnés et qui correspondent au chakra de la Terre. Ces chakras sont des nodes, des noyaux, similaires à des moteurs énergétiques toroïdaux où les énergies déclenchent des dynamiques dont les conséquences peuvent être calculées, mesurées et contrôlées. Ce système d'énergie est le système nerveux et cognitif de la Terre, la planète étant un être sensible, doué d'intelligence, un fait que les scientifiques commencent à reconnaître. Lorsqu'une impulsion est lancée depuis un node, la foudre par exemple, l'énergie se met à circuler le long des courbes bleues et rouges et va se fractaliser tout en se déployant. Donc, une explosion volcanique naturelle est une impulsion énergétique qui va voyager aussi le long de ces deux courbes et se fractaliser.
elle impactera en résonance les points nodaux artificiels des stations HARP. Et vice-versa, lorsqu'une impulsion énergétique HARP est déclenchée, elle va circuler le long des deux courbes bleues et rouges et impacter tous les points nodaux naturels qui, à leur tour, déclencheront des éruptions volcaniques, des tornades ou des tsunamis. Mais ces énergies impactent aussi les énergies du corps humain et les conséquences seront à la fois physiques et mentales. Elles impactent la société terrestre dans son ensemble, d'où tous les changements que vous voyez actuellement. Tout est lié. D'un point de vue climatique, les éruptions solaires s'intensifient, ce qui fait augmenter le géomagnétisme qui devient de plus en plus actif et les énergies qui circulent le long du système nerveux terrestre augmentent. La pression interne de la Terre, elle aussi, a dépassé le niveau normal et elle est en état d'alerte. Et une inversion géophysique des pôles magnétiques est prévue qui se produit au ralenti et de manière violente. Pendant les mois et les années précédant le basculement définitif, tous les volcans entreront en éruption successivement ou simultanément, selon un calendrier précis. Aux îles Tonga, les tests qui ont été effectués après la détonation, qui a été déclenchée artificiellement, ont montré un point de basculement qui a déclenché des réactions à Yellowstone, aux USA. Voici l'état des maisons aux USA, au Canada et dans d'autres régions du monde dans une période de 0 à 72 heures après l'éruption d'un volcan. L'accumulation des projections et des cendres vers l'espace créera un hiver nucléaire stratosphérique mondial. Ce processus prendra 3 à 5 ans. Le Japon a été frappé par plusieurs tremblements de terre successifs de forte magnitude. Là aussi, nous allons atteindre des extrêmes de plus en plus forts et violents. 9, 10, 11, 12. Selon l'agence américaine USGS, Nami au Japon a été touché par un tremblement de terre de force
7.3, puis suivi d'un tremblement de 6.4, Ishinomaki a été touché par un tremblement de force 5.5, qui furent suivis par un avis d'alerte de tsunami et plus de 2 millions de foyers ont été privés d'électricité dans la région de Tokyo. Une grande quantité de matière nucléaire est emportée par la mer qui monte et se retire, ou à cause des inondations qui affectent toute la flore et la faune marine. Les tsunamis sont donc nucléarisés et ils polluent la nourriture pour les personnes qui mangent du poisson, des coquillages ou des algues. Les îles Canaries espagnoles, quant à elles, sont souvent sujettes à des salves ou des chapelets de tremblements et des exercices d'urgence à grande échelle pour des tremblements de terre de magnitude 8, et les alertes au tsunami ont été mises en place. Le 24 mars, deux éruptions se sont produites sur l'anak Krakatoa en Indonésie. C'est le volcan le plus actif de la planète. Il envoie des cendres jusqu'à 1,2 km dans l'espace. Comme le champ géomagnétique change plus rapidement, les deux pôles terrestres se réchauffent. Le 20 mars 2022, une puissante vague de chaleur a affecté une partie de l'Antarctique avec des températures sans précédent de plus de 40 degrés au-dessus de la moyenne. Ce qui fait fondre les glaciers et révèle des terres jusqu'à présent recouvertes de glace qui commencent à se couvrir de fleurs. Quand les grands changements géophysiques seront terminées, la nouvelle zone de démarcation équatoriale, ici le trait bleu du tropique du Cancer, qui traverse actuellement des pays comme la Mauritanie, le Mali, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou l'Inde. Et qui regroupe tout au long de la démarcation les plus grands déserts brûlants du monde, comme le Sahara, le désert d'Arabie ou le désert de Gobi,
Eh bien, cette ligne traversera l'Espagne et c'est la raison pour laquelle l'Espagne et la Chine sont au centre du nouvel ordre mondial. Mais elle passera aussi chez les Bretons et chez les Ch'tis. Et nous pourrons dire alors que le jour du Bundesday, vous serez accueillis par les Ch'tis des Tropiques. Et vous pourrez faire un voyage dans les déserts arides de Norvège ou de Belgique. En chevauchant un chameau. Voici un site auquel vous pouvez vous abonner qui présente l'ensemble des événements de manière planétaire. Ce site n'est pas le mien, et je ne fais pas partie du groupe, mais ils ont des valeurs. Et des objectifs que je vous laisse lire et qui sont similaires à ceux que j'ai proposés dans le passé lorsque j'avais créé des groupes mettant en place la nouvelle société holographique planétaire. Ils recherchent aussi des bénévoles, des traducteurs et des témoins d'événements climatiques. Je pense qu'un groupe qui déclare ce qui suit devrait avoir toute notre attention et tout notre intérêt. Le concept du pouvoir dans une société créatrice n'existe pas, car la responsabilité de la société dans son ensemble, de son développement, de ses conditions de vie et de son système harmonieux incombe à chaque être humain. Chaque être humain, disent-ils, a le droit de participer à la gestion des affaires de la société créatrice et à l'adoption de lois visant à améliorer la vie de l'être humain. La résolution des questions d'intérêt public, socialement importantes, économiques, affectant le changement de la qualité de vie de l'être humain, est soumise au débat public international et au vote par référendum. La Russie a accéléré sa dédollarisation qu'elle avait commencée en 2017 quand Bitcoin a pris son envol. Le président Poutine a seulement été plus discret que certains autres pays. Voici une liste incomplète des partisans de la légalisation des transactions en monnaie numérique qui ont perdu plus de 38 milliards en 2022 à cause des sanctions occidentales imposées à la Russie et utilisées comme mode répressif de l'invasion russe de l'Ukraine. Il est en train de désintégrer la Russie comme programmé et prévu
dans des accords avec les méta et les extra-contrôleurs. Dans quel but ? Tout simplement, comme signalé dans ce graphique qui m'a été remis par mon mentor extraterrestre Zen et que j'ai traduit en français. Ce qui est visé est la désintégration de la société actuelle pour la remplacer par une nouvelle société, dorénavant connue sous le titre de Nouvel Ordre Mondial. Les objectifs du Nouvel Ordre Mondial sont ceux inscrits sur les pierres de Georgia. Les Georgia Guide Stones, appelés aussi le Stonehenge américain, est un monument en granit qui fut érigé le 22 mars 1980 en Géorgie sur la côte est des USA. Une encoche dans la pierre horizontale du haut donne la date à midi, un trou montre l'étoile polaire et aux équinoxes et aux solstices, dates importantes comme vous le savez, on peut voir le soleil se lever dans une fente de la colonne centrale. Quatre immenses pierres affichent un message en plusieurs langues. La plaque du haut comporte des inscriptions en babylonien, en grec ancien, en sanskrit et en hiéroglyphe égyptien qui définissent l'objectif de la structure. Que ces pierres nous guident vers l'âge de raison. J'encourage donc tout à chacun et les bâtisseurs de cette architecture d'implémenter les règles qu'ils ont si diligemment sculptées. L'adage dit que rien n'est inscrit dans la pierre. Mais dans ce cas, ça l'est. Premièrement, maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération. Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Laissez toutes les nations gérer leurs affaires intérieures et régler les dissensions externes devant un tribunal mondial. Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles.
équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Ne soyez pas un cancer sur la terre. Laissez une place à la nature. Il est vrai que nous pourrions, nous devrions, adopter de telles règles pour éviter ce qui se passe actuellement en Ukraine et dans d'autres pays dans le monde. Il faut néanmoins dire que la Russie se bat contre des factions non humaines. Ces factions interagissent dans un consortium composé d'élites terrestres et de certaines factions d'extraterrestres qui elles-mêmes travaillent avec certaines factions de l'OTAN. Ces extraterrestres sont liés à l'Ukraine après s'y être installés dans des bases souterraines. Les hybrides, les clones et les agents directs extraterrestres s'installent dans les bases en se déplaçant de manière souterraine. Et de là, ils dominent non seulement l'Ukraine, mais toute la région et les frontières, plaçant une menace pour la Russie elle-même sous et sur le territoire de l'Ukraine. Ils font tous partie de la même famille, les USA ou la Russie. Mais comme me l'avait dit mon tout premier contact, qui était un membre d'une famille royale, avec lequel je communiquais en mars 2016, il y a donc 6 ans de cela, et c'était 9 mois avant mon contact avec Zen l'extraterrestre, ce côté des élites, me disait-il, en avait assez de ce qui se passait et de la corruption de l'autre côté. Ce sont donc des factions qui font toutes partie de la même famille et qui se battent entre elles. Le côté le moins, peu ou pas du tout corrompu, se battant contre l'autre partie de la famille, qui, elle, est corrompue jusqu'à l'os. La situation est donc très compliqué pour les Terriens.
il est préférable de rester vigilant et de ne pas généraliser ni de prendre parti pour ou contre, comme vous le comprenez. Certaines de ces factions ont des niveaux très élevés d'éthique et de spiritualité. Il serait injuste de les pénaliser à cause des autres. Les meilleurs d'entre eux n'hésiteront pas à mettre en place des actions radicales, comme par exemple désagréger la société terrestre pour la remplacer par une nouvelle société plus transparente, plus équitable, sans argent, sans pouvoir, sans la notion de propriété, où la population devra prendre la responsabilité de ses actes. Cette nouvelle société est appelée le Nouvel Ordre Mondial. Tout ce qui précède, aussi bien au niveau climatique qu'au niveau social et sociétal, a des conséquences sur tout le spectre énergétique de la planète et du cosmos. Les principaux impacts se font déjà sentir partout dans le monde. Mort de milliers de personnes, des centaines de milliers d'autres déplacés, une pénurie d'énergie, la flambée des prix. Pénurie de blé et de céréales, de certains minéraux essentiels, un gros ralentissement économique planétaire, l'augmentation de la violence. Mais tous ces événements vont aussi engendrer une crise alimentaire mondiale. En Afrique, des famines massives vont s'intensifier dans les mois à venir. Des guerres locales vont éclater et il y aura des restrictions d'eau. L'eau et les graines vont devenir des monnaies d'échange, au même titre que l'euro ou les bitcoins. Investissez dans des graines non stériles. Au niveau des effets de la vaccination contre la Covid-19, j'en reparlerai dans le prochain documentaire du mois d'avril, mais j'ai une bonne nouvelle qui rejoint ce que je vous avais dit dans un direct il y a quelque temps. Je vous avais dit que les émissaires stellaires sont immunisés. Ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais il y a en effet une caractéristique immunitaire cachée qui épargne aux personnes non vaccinées des infections à la Covid-19.
Cet effet est un antidote dans le système immunitaire qui a été découvert par le professeur Derya Özdemir, neurologue spécialisé dans les troubles de la mémoire et de l'olfaction, qui fait partie du centre médical Beth Israel à Boston aux USA. La maladie semble affecter certaines personnes plus sévèrement que d'autres, certaines présentant des symptômes très mineurs et d'autres étant hospitalisées et nécessitant de l'aide pour respirer. Basée sur cette découverte de l'antidote, une équipe de chercheurs de l'université de Göteborg vient de faire un pas de plus vers la compréhension de la façon dont le système immunitaire développe une résistance contre la COVID-19. Pendant 6 mois, les chercheurs de l'Académie Salzgrenka de l'université ont enquêté sur 156 employés de 5 établissements de soins de santé primaire qui ont été recrutés en avril et mai 2020. Aucun de ces employés n'avait été vacciné contre la COVID-19 et la majorité d'entre eux ont pu travailler quotidiennement avec des patients infectés au plus fort de la pandémie. Ils ont identifié des immunoglobulines A dans les voies respiratoires de plusieurs membres du personnel qui n'ont pas attrapé la COVID-19, ce qui pourrait signifier qu'ils avaient un antidote dans leur système immunitaire pendant tout ce temps. Ces anticorps se trouvent dans les sécrétions des muqueuses des voies respiratoires et du tractus gastro-intestinal où ils protègent le corps en se liant aux virus et aux autres organismes envahisseurs. Voilà donc quelle pourrait être l'origine de l'immunité des émissaires ou de certaines personnes et une forme de reconnaissance par le monde scientifique de principes d'équilibre entre le microcosme et le macrocosme. Ce qui bourgeonne ou non dans le microcosme répond à des principes d'équilibre et des forces de matérialisation ainsi que de réponse et de résonance
entre le microcosme, l'infiniment petit, et le macrocosme, l'infiniment grand. Cette présentation est terminée. À très bientôt. Vous pouvez, comme d'habitude, lister vos questions dans les commentaires de ce post sous l'onglet Communauté. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.